Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Quai des Savoirs pour cette soirée, première soirée de notre mois design où nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Julien Bobroff que je vais vous présenter dans un court instant. Alors cette soirée démarre par cette conférence, vous êtes à la soirée inaugurale du mois design, conférence donc en direct, en public plutôt, directement depuis le Quai des Savoirs et également à suivre sur Facebook puisque vous êtes aussi un certain nombre à nous suivre sur la page Facebook du Quai des Savoirs pour pouvoir interagir en direct pendant cette conférence avec Julien Bobroff ici présent. Pendant la conférence, je vous propose qu'on stocke les questions, vous aussi, que vous pourriez avoir en tête. Et puis, à l'issue de la conférence, qui va durer 40-45 minutes, on aura un petit temps d'échange avant d'accueillir les personnalités de Toulouse Métropole qui vont venir inaugurer donc, cet événement, le Mois Design, ici au Quai des Savoirs. Alors, si on a voulu traiter du design au Quai des Savoirs, ça peut peut-être paraître particulier ou bizarroïde pour certains d'entre vous, puisque le Quai des Savoirs, c'est un lieu où vous avez l'habitude de découvrir des projets scientifiques, des projets d'innovation numérique. Eh bien, c'est que le design, en fait, a toute sa place, en fait, dans cette dynamique d'innovation et cette relation aussi avec le monde scientifique. Et c'est ce que nous avons voulu montrer à travers l'exposition Supra. Supra pour supraconductivité, donc Julien va nous en parler un petit peu plus. Cette exposition Supra, qui est une exposition qui a été réalisée par le Centre de culture scientifique de Saint-Étienne, La Rotonde, nos amis de La Rotonde, qui sont sûrement dans la salle ou sur Facebook, ou qui vont nous rejoindre dans un instant, en relation étroite, puisque Julien a été le commissaire scientifique et donc un des chercheurs qui a travaillé particulièrement sur ce projet d'exposition, qui en fait montre, présente le résultat de tout un travail qui a été réalisé avec des designers autour de, on va dire, la vulgarisation scientifique, autour de comment le design peut aider un chercheur, le public, nous aider à mieux comprendre des concepts qui parfois, faut le dire quand même, faut l'avouer, sont un petit peu complexes à intégrer, à s'approprier. Et puis, en parallèle à cette exposition, vous pourrez découvrir également l'exposition Observeur du design, qui est une exposition de l'Agence pour la promotion de la création industrielle. Et l'Observeur du design, en fait, c'est une présentation des meilleurs projets des meilleurs designers de l'année 2018 français, donc qui ont été distingués par leur pairs et par aussi un jury international. Et donc, vous allez pouvoir découvrir toute la diversité et la richesse du design à travers des designs d'objets, des designs de services, des designs d'interfaces, etc. Vous aurez même la surprise de découvrir un projet qui a été réalisé à Toulouse dans cette exposition et qui a une dimension, une envergure internationale. Alors, pour tout de suite céder la parole à Julien, Julien Bobroff, donc quelques mots. Vous êtes enseignant-chercheur, je lis tout simplement ce qui est écrit, mais vous êtes enseignant-chercheur au labo de physique des solides à l'université Paris-Sud, chercheur CNRS également, et vous faites partie aussi d'une équipe de recherche, la physique autrement, qui a justement cette ambition de faire partager, de faire comprendre la physique à tous ceux qui ne sont pas justement physiciens ou qui ne se pensent pas capables de comprendre la physique, et c'est ce dont vous allez nous parler tout de suite, pendant trois petits quarts d'heure autour de cette idée du design quantique. Donc voilà, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci. Merci Laurent. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de venir si nombreux pour entendre parler de design quantique, qui est quand même un titre qui fait peur, il faut bien le dire. D'abord, peut-être avant de commencer, je veux remercier plein de gens, je vais aller très vite, mes institutions, bien sûr, l'Université Paris-Sud et le CNRS, et puis les écoles avec lesquelles on a travaillé, notamment, que vous pouvez voir dans l'expo qui est derrière vous, l'école de design, l'ENSI Les Ateliers, une école d'art appliqué, l'école Estienne, on a travaillé beaucoup avec les gens qui font de l'illustration scientifique là-bas, et puis l'expo qu'on a pu monter avec la Rotonde et la Cité du Design. Voilà, donc je vais vous parler de design quantique ce soir. Alors voilà, le design à gauche, la quantique, ah non, la quantique est enfin, à droite, le design à gauche. On est dans deux mondes très, très différents, d'accord ? Deux mondes très séparés. La physique quantique, la voilà, ça c'est l'équation de Schrödinger, qui a traumatisé un certain nombre de générations d'étudiants.
Et puis si on regarde derrière ce qui se cache dans la physique quantique, ben, c'est des figures scientifiques, c'est des concepts scientifiques, c'est des mesures. Là, j'ai pris exprès une mesure extraite d'un de nos vieux articles pour vous montrer à quel point il n'y a pas de design dans la figure. Voilà. Et puis si on va voir dans les laboratoires, c'était une photo du temps où j'étais encore dans ce laboratoire. On est dans un laboratoire où il n'y a pas beaucoup de design non plus, où il y a des cryostats, beaucoup d'électronique, des très basses températures, et on est dans de la physique fondamentale pure et dure. Puis si on va du côté des designers, voir ce qui se passe, eh ben, les figures scientifiques, ça devient plutôt évidemment des plans ou des scénarios, et puis si on va voir l'équivalent du labo, ça a l'air plus sympa, a priori. Ça va être des studios de design ou des lieux de travail pour les designers. Donc on est dans deux univers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors souvent, quand on pense design et science, on se dit « Ah mais oui, il y a un lien qui peut sembler assez évident, c'est quand le scientifique a une nouvelle technologie. Ah, j'ai inventé une nouvelle LED ou j'ai inventé un nouveau mécanisme. » Donc il va voir le designer en lui disant bah, « Tu ne pourrais pas faire un objet avec ça, ou faire un usage, ou embellir ça, ou lui trouver des usages. » D'accord ? Et moi, je ne vais absolument pas parler de ça aujourd'hui parce que ça serait trop facile. D'accord ? Ça, ça existe depuis des décennies, évidemment, mais ce n'est pas du tout ce que nous, on a cherché à faire. Nous, on s'est demandé ce qui se passait si on arrivait face au designer sans rien du tout, aucune technologie, et juste avec l'équation de Schrödinger. Donc l'histoire est la suivante. On part avec des jeunes designers. On les a représentés un peu plus petits pour que vous les distinguiez. Donc voilà, on a des étudiants en design dans une école de design, et puis leurs profs en design, c'est les deux au-dessus. Puis ils ont plein de savoir-faire, hein, ils savent faire de la vidéo, ils savent faire de l'objet, de la maquette, du scénario. Et puis moi j'arrive avec mes sujets de physique. Donc ça c'est moi de l'autre côté, avec mes collègues. C'est une histoire qui a commencé en 2011. En 2011, on organisait avec le CNRS l'année de la supraconductivité. C'était mon thème de recherche à l'époque. Donc on avait fait plein de trucs partout en France de vulgarisation assez classique. Hein. Des expos, des conférences, des fêtes des sciences. Et puis je me suis dit que c'était peut-être l'année ou jamais où essayer un truc un peu plus excentrique. Et donc j'ai pour la première fois été voir l'école de design, l'ENSI, et puis l'école Estienne en leur disant « Est-ce que vous voudriez bosser sur la physique quantique et la supraconductivité ?» Donc à ma grande surprise, ils ont dit « Ah mais oui, pas de problème, ça a l'air super intéressant, on y va ». Je m'attendais en gros à ce qu'ils me designent plus joliment mes objets de vulgarisation. Vous voyez, mes petites expériences qui me les rendent sympathiques, mon PowerPoint qui me le rendent un peu plus joli, qu'ils embellissent ce que je faisais. Et j'ai été très surpris parce qu'en fait, ils m'ont complètement décalé par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et c'est ça que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Alors comment ça commence ? Ben, comme vous et moi ce soir, je suis là, ils sont assis, ils sont obligés de rester là. Et puis pendant deux heures, je leur raconte toute la physique en jeu dans le domaine dont je vais leur parler, avec une conférence hyper classique de vulgarisation. Et puis après, ben, ils s'y mettent, ils essayent de bosser, ils font des petits ateliers, ils travaillent ensemble, ils discutent, ils essayent des prototypes, des bouts de maquettes, ils essayent des projets. Et puis, au fur et à mesure, se montent des projets. Et moi, je vais revenir à intervalles réguliers dans l'école pour discuter avec leurs enseignants, avec eux, et essayer de voir ensemble ce qui se produit. Et parfois, ça s'échappe complètement de la science, parfois, ça reste dans le champ de la vulgarisation. À la fin, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas un projet comme ceux que j'imaginais moi au départ. Jamais ils ont voulu m'embellir mes formules ou mes images ou mon PowerPoint. Jamais ils ont voulu me rendre mon expérience plus jolie. Ils m'ont à chaque fois décalé par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et c'est ce décalage que je vais vous raconter. Le design offre clairement un autre regard sur la science qui n'est pas seulement du champ de la vulgarisation, on n'est pas non plus dans l'art ou l'art contemporain, on est dans autre chose, une espèce d'entre-deux que je vais vous montrer. Alors je me suis posé plein de questions sur comment vous montrer ça. Alors une façon simple, ça aurait été de prendre tous les projets les uns après les autres, puis de vous les montrer, mais ça aurait fait un peu catalogue. Et je me suis dit que ça serait bien plus amusant de vous faire une conférence de vulgarisation, alors traditionnelle, du physicien pur et dur. Et puis à chaque fois, je m'interromperai et je vous dirai comment les designers ont réagi à exactement la même conférence quand moi je leur ai raconté ce que je vais vous raconter ce soir et ce qu'ils ont produit. Voilà. Donc essayez à chaque fois que je vous raconte un truc de physicien, de vous demander si vous étiez dans une école de design, qu'est-ce que vous produiriez en face de ça. Donc commence maintenant la conférence de physique quantique et qui va être normalement un petit peu différente des conférences de physique quantique de d'habitude. Mais je vais quand même vous expliquer la physique quantique ce soir. Désolé, mais voilà. Maintenant vous êtes coincé dans la pièce, de toute façon vous ne pouvez plus sortir. Facebook, ils peuvent encore zapper, mais vous êtes coincés. On y va. Premier concept en physique quantique, la quantification. C'est là d'où la physique quantique tire son nom. Alors, qu'est-ce que c'est que la quantification ? Alors, truc de physicien, donc là, c'est moi le physicien. Voilà comment j'explique la quantification aux designers ou au grand public. C'est facile, hein ? En physique quantique, dans beaucoup de situations, quand vous regardez une particule quantique, par exemple un atome, un électron, un photon, eh bien, très souvent, il va avoir des niveaux quantifiés. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit à toutes les situations. Si, par exemple, vous regardez son énergie, ben, il n'a droit qu'à certaines énergies. Vous voyez, c'est des espèces de paliers. Ben, voilà, j'ai le droit d'être sur les paliers, mais pas entre les paliers. Alors, on peut se dire, bon, et alors ? C'est très troublant hein, pour un physicien, un truc comme ça. L'idée que ça soit très discontinu par palier. Ça voudrait dire que, par exemple, si je prends cet objet-là et puis je regardais sa vitesse sur une autoroute,
il passerait très soudainement de 20 km/h à 40 km/h. Oui, il accélère pas continuellement, une espèce de saut brutal. Nous, on parle de saut quantique. D'accord ? Donc un truc très violent qui le fait spontanément sauter. Hein. Ce n'est pas juste qu'il va trop vite et que vous ne le voyez pas. Non, non, il saute vraiment littéralement d'un niveau à l'autre. Et ça, c'est la quantification. Et ça, ça a lieu pour l'énergie, ça a lieu pour plein d'autres propriétés en physique quantique. Par exemple, le moment orbital, par exemple, l'aimantation. Si vous regardez l'aimantation d'un électron, elle est toujours soit comme ça, soit comme ça. Et vous n'arrivez pas à la mettre comme ça. C'est assez troublant. Et elle va sauter brutalement de... Hop, et j'arrive pas à le faire assez vite pour vous montrer. Si vous regardez la conduction électrique entre deux fils d'or, là aussi, vous allez voir des paliers apparaître. Si vous regardez le flux magnétique dans un anneau, parfois, vous allez voir des paliers, etc. etc. Donc voilà, maintenant, vous êtes les designers, il faut faire quelque chose de ce truc. Et donc, moi, je m'attendais à ce qu'il me fasse, un super film de science-fiction avec des tas d'effets spéciaux, etc., etc. Donc, voilà un exemple de projet fait par un designer. Natacha. Natacha, ce qu'elle a essayé de faire, c'est de ramener ça dans son appartement. Elle appelait ça l'appartement quantique. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passerait dans mon appartement, aucun effet spécial incroyable en 3D, s'il y avait quantification. Donc, je vous invite dans l'appartement de Natacha. Bon, alors, elle boit du calva, Natacha. Et puis, elle se fait des œufs, Natacha. Vous avez vu le saut quantique, là ? Je passe de cru à cuit. Voilà. Donc là, moi, j'étais vraiment décalé, quoi. Je m'attendais à un truc absolument incroyable, hyper sophistiqué. Souvent, on ramenait dans le quotidien le plus banal possible, mais avec une sorte d'étrangeté impalpable, un peu curieuse, qui faisait que je me disais, ah, mais oui, c'est vrai que c'est bizarre, la quantification. Bon, alors, j'ai pris l'extrême inverse, j'ai pris Grégoire. Grégoire, il a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est personnifier. C'est-à-dire que la particule, ça devienne vraiment un personnage et qu'on regarde ce qui lui arrive à ce personnage quand il est quantifié. Bon, il faut savoir également que Grégoire était intéressé par la chorégraphie. Donc voilà, vous êtes prêts psychologiquement ? Faut le son pour cette vidéo. Acte 2. Saut quantique. Un photon, comme tout objet quantique, passe brutalement d'un état d'énergie à un autre. Vous avez vu le saut quantique ? Il y a encore eu un saut quantique. Bon, après, ça dégénère. Vous voyez qu'on est clairement ailleurs. On n'est plus dans le champ de la vulgarisation. Je vous encourage à aller dans l'expo voir le reste du film qui vaut vraiment le détour. Souvent on me dit, ouais, mais là ce film-là, bon, il a complètement pété les plombs. Il me semble intéressant ce film-là, même du point de vue de la vulgarisation, parce qu'il montre clairement que le danseur n'est jamais au repos. Et effectivement, la particule quantique n'est jamais au repos. Il y a un état fondamental, mais où il a quand même de l'énergie. Donc il a toujours de l'énergie, c'est juste qu'il saute brutalement d'une situation à une autre situation, mais tout en continuant de bouger. Voilà. Après, on peut s'en servir comme d'un support en disant aux étudiants, alors qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai dans cette vidéo ? Et puis réfléchir à partir de ça comme d'un outil pédagogique. Même si ce qui intéressait Grégoire, c'était surtout les costumes et la danse. On a la quantification. Deuxième concept en physique quantique clé, la fonction d'onde. Quelle est la tête d'une particule quantique ? Alors d'abord, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais la physique quantique, c'est la physique du tout petit. C'est ce qui va permettre de décrire les objets à l'échelle du nanomètre. Donc qu'est-ce qu'on a comme objet ? On a des atomes, les électrons, les photons, c'est les grains qui composent la lumière, les noyaux, les molécules aussi. Tout ça va être décrit par les lois de la quantique, qui sont très inhabituelles. Cet objet quantique, si on veut le représenter, commence toutes les galères. Alors pourquoi commencent les galères ? C'est parce que voilà comment on le représente en physique. C'est une lettre grecque, déjà pour vous impressionner, la lettre psi. Et on va dire que psi dépend à la fois de x et de t, c'est-à-dire de l'espace et du temps. Bon, ça veut juste dire que c'est un machin qui occupe l'espace et qui bouge au cours du temps. Jusque-là, rien de sorcier. Et puis on va la tracer, cette lettre. Alors en plus, c'est un nombre complexe, donc en mathématiques, c'est une vraie galère. Mais en gros, psi, c'est une espèce, voilà, par exemple, on pourrait prendre une cloche, hein, ça peut avoir plein de formes. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de ma particule ? Ça veut dire que ma particule est en gros à plein d'endroits à la fois en probabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là ? Ça veut dire qu'il faut imaginer que c'est une sorte de cartographie des possibles. Ça veut dire que la particule, elle peut être là, là, là. Alors là, elle a de bonnes chances d'être là. Vous avez vu, elle est un peu plus foncée. Un peu moins là, puis jamais là. Donc ça vous dit, si vous essayez de mesurer la particule, où vous avez des chances de la trouver ? Alors, on pourrait se dire, bah oui, c'est peut-être qu'elle va très vite et que de temps en temps, elle est au milieu. Non, 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 non. Tant que vous ne la mesurez pas, elle est en probabilité à tous les endroits à la fois. C'est juste qu'elle a plus de chances de se retrouver à certains endroits qu'à d'autres. Donc ce n'est pas vraiment une onde, même si ça fait penser à une espèce de vague, ce n'est pas vraiment un nuage. Donc on parle de fonction d'onde quantique, ou de nuage électronique parfois. Vous voyez, cette idée que ça occupe toute une zone de l'espace, en quelque sorte,
pas parce que ça va trop vite, mais juste parce que c'est littéralement à tous ces endroits à la fois en probabilité, jusqu'à ce que vous le mesuriez. Donc là, j'ai montré ça au designer, très content de mon petit effet, en me disant, là, ils peuvent toujours s'accrocher pour la représenter. Les designers ont dit, mais aucun problème, ton truc, on va en faire des objets. Je dis, non, c'est pas possible, vous n'avez pas compris. C'est en probabilité tant qu'on ne l'a pas mesuré. Ils m'ont dit, on s'en fout, nous, on le fait. Donc voilà Paul qui, lui, s'est intéressé à la représentation concrète d'une fonction d'onde quantique, sachant à l'avance qu'il allait échouer. Et donc, il est parti avec des rhodoïdes, vous savez, c'est les transparents là, qu'on mettait à l'époque sur les rétroprojecteurs d'un temps que les jeunes n'ont pas connu. Donc lui, il a intercalé plein de rhodoïdes les uns dans les autres, il a imprimé ça avec une imprimante en mettant des motifs rouges, et regardez bien, quand on le déplie, soudain, on a un objet un peu étrange, un peu impalpable, qui est là sans l'être vraiment. Je ne dis pas que c'est une fonction d'onde, mais ça fait penser à une fonction d'onde. Puis après, il a pris tout le catalogue des formes autorisées des fonctions d'onde pour fabriquer les siennes. Donc voilà, ça, vous avez peut-être reconnu l'orbital d'un atome d'oxygène, ou ici, d'un électron d'un atome de cuivre. Cyril, lui, ce qui l'intéressait, c'était qu'à la fin, on puisse faire des ateliers avec les enfants. Je lui ai dit, c'est quand même mal barré, hein, la fonction d'onde quantique pour les enfants. Il a dit, aucun problème, on va faire des pliages. Et donc, on est parti sur tout un travail sur le pliage et comment, avec le pliage, essayer, là encore, de matérialiser cette fonction d'onde, même si on sait bien que c'est une approximation. Donc ça, c'est le pliage fait par un enfant. Puis ça, c'est le pliage fait par Cyril, qui est bien plus talentueux qu'un enfant. Avec, là encore, ces fonctions d'ondes. Après, il s'est même amusé à faire des liaisons chimiques, à faire des répulsions et à mettre en scène plein d'effets de physique avec ces pliages. Et puis, ça finit par des ateliers de pliage, ici, à la Cité des Sciences, et que parfois, on reprit des collèges. Ça, c'est un adolescent faisant les pliages. Voilà, l'adolescent est toujours un peu spécial. Hein. Donc, vous voyez, on détourne l'atelier de pliage pour l'emmener vers une réflexion sur ce que c'est un atome. Puis après, on peut se poser plein de questions amusantes, mais c'est à quoi la vraie taille d'un atome par rapport à la taille de ce machin ? Est-ce qu'un atome, c'est vraiment comme ça ou pas ? Et est-ce que ça a cette forme ? Etc., etc. Je vous ai fait la fonction d'onde, maintenant je vous fais le plus dur, la mesure. Je vous ai dit que l'objet, il était un peu partout en probabilité, et puis quand on le mesurait, chouf, il était là ou là ou là. Alors comment ça se passe ? On parle de réduction du paquet d'ondes, réduction de la fonction d'onde. Donc vous l'imaginez, là, cette espèce de nuage quantique qui est en probabilité partout. Au moment où je le mesure, quel que soit l'outil de mesure, il se réduit soudainement en un point. Et je vais le voir là, je vois une particule. Bon, après j'arrête, je repars, je reviens, je réessaye de le mesurer, maintenant il est ici. Et à chaque fois, il va se mettre à un endroit différent avec les probabilités que je vous ai décrites avant, plus souvent au milieu que sur les bords. Alors, c'est très curieux cette histoire de la mesure. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe d'un peu magique quand on mesure qui fait que ça se réduit ? Puis ça a donné lieu à plein de fantasmes. Les gens disaient, mais est-ce que c'est la conscience du type qui observe ? Est-ce que c'est le physicien qui fait que ça se mesure ? Est-ce que c'est l'outil ? C'est quelque chose qu'on a bien compris depuis. Des Français, notamment Serge Haroche, ont compris ça, ils ont eu le prix Nobel pour ça. En fait, ce qui se joue pendant la mesure, c'est que votre fonction d'onde, elle n'aime pas interagir avec trop d'autres particules. Si vous l'obligez à interagir avec un milliard de particules quantiques, elle n'arrive pas à rester fonction d'onde et elle se réduit. Donc ce qui compte, en gros, c'est la taille de l'objet que vous utilisez. Dès que vous allez mesurer, soit va falloir mettre de la lumière, soit un oscilloscope, soit un outil quelconque, et en faisant ça, mécaniquement, vous faites que l'objet se réduit. Mais tant que vous le laissez tranquille, dans le vide, à basse température, bien protégé, il va rester quantique et être à tous les endroits à la fois. Voilà la mesure. Donc pareil, hein, j'ai montré ça aux designers qui m'ont dit « Oh là là, très intéressant ça, on va te faire un truc. » Donc ça, c'est ma mesure de mon point de vue à moi. Vous voyez, réduction du paquet d'ondes. Voilà la mesure pour Paul. Vous avez vu que ça se réduit différemment à chaque fois, mais toujours dans la zone de la fonction d'onde. Là encore, moi, je m'attendais à des effets spéciaux genre Star Wars incroyable. On a quelque chose de relativement dépouillé, vous voyez, très blanc, presque un hôpital. Il voulait vraiment épurer, en quelque sorte, le phénomène pour montrer à quel point il était curieux. Mais voilà, il était là, il était tangible. Et c'est exactement ce qui se passe dans une mesure de physique quantique, ce que vous venez de voir. Même si vous ne trouverez jamais une fonction d'onde qui est une forme de pyramide, hein, ça, c'est clair. Marianne, ce qui l'intéressait, c'était qu'est-ce qui se passe dans une fête des sciences ? Vous savez, quand on fait des petites expériences en direct et qu'on les monte sur un stand, elle voulait essayer de se poser des questions de comment décaler un petit peu ce champ du petit spectacle proche ou du petit spectacle de marionnettes. Donc elle a inventé tout un dispositif pour mettre en scène des effets de physique quantique. Alors, évidemment, elle ne les met pas du tout en scène, elle fait des métaphores ou des interprétations pour vous faire sentir un peu l'étrangeté de ce monde-là. Donc elle a mis en scène plein d'effets, je vous en montre que deux ou trois pour que vous voyez le principe. Une boîte en bois, c'est très simple, elle l'ouvre devant vous, elle s'installe, elle vous demande de vous installer, et elle va mettre en scène des petits effets. Par exemple, pour les orbitales, la fonction d'onde, elle utilise du lait et de l'encre.
elle lâche de l'encre dans du lait en ayant planqué des petits pots en dessous pour lui donner juste la forme qu'il faut. Donc on a quelque chose qui est effectivement légèrement flou. Pour la quantification et le fait d'avoir des niveaux séparés, elle va jouer avec des bouts de bois qu'elle fait passer les uns derrière les autres et vous voyez se dessiner soudain des sortes de niveaux. Je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je les vois clairement à l'écran, des espèces de ronds qui apparaissent, quantiques, séparés les uns des autres. Et puis pour mettre en scène la mesure, la réduction du paquet d'ondes, alors là, elle triche un peu, elle vous montre un truc et après, elle le filme à l'envers. En fait, elle a juste des gouttes d'encre dans une suspension de petites particules. Et on a une sorte de réduction de paquet d'ondes. Donc vous voyez, là, on se décale dans un champ plus esthétique, plus poétique, où elle vous emmène dans une sorte de spectacle d'objets un peu étranges pour vous initier à la physique quantique. J'enchaîne mon cours. Donc là, on est très bon, je crois, en temps. Là, on a réussi à faire la quantification, la fonction d'onde, la mesure. Maintenant, l'atome. L'atome. Qu'est-ce que c'est qu'un atome, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait sur la physique quantique ? Alors, l'atome, finalement, ce n'est pas un objet si compliqué que ça. C'est en gros une boîte à électrons. Alors, un atome, on sait tous, on sait peut-être pas tous, qu'au milieu, il y a un noyau chargé électriquement positivement. Il est plein de protons et de neutrons. Il est tout petit, il fait un 100 000ème de la taille de l'atome. D'accord ? Il est là au milieu. Et autour de lui, on va placer des électrons. Si vous voulez savoir ce que font les électrons, il suffit de brancher ça dans l'équation de Schrödinger. Donc là, voilà l'équation de Schrödinger. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ici, vous avez le noyau. Ce que fait le noyau, c'est attirer les électrons. Alors pourquoi ? C'est parce qu'un électron s'est chargé négativement, un noyau c'est positif, et en électricité, plus attire moins. Donc si on avait juste ça, en gros, le premier truc que ferait l'électron, c'est foncer sur le noyau, s'écraser sur le noyau, et tout l'univers autour de nous implose. D'accord ? Et tous nos corps font choup, instantanément. D'accord ? Donc ça, c'est s'il n'y avait pas de physique quantique. Heureusement pour vous et moi, il y a de la physique quantique. Et donc, on va regarder ce que fait l'électron en physique quantique. L'électron en physique quantique, il arrive, il voit ce noyau qui veut l'attirer. Et donc, je résous l'équation de Schrödinger, ou je la fais résoudre par des étudiants. Donc ça, c'est juste pour vous impressionner un peu. La physique quantique, c'est aussi ça. Ce n'est pas que des jolies images et des grands mystères, c'est un peu d'équation à un moment donné. Et si vous calculez ça et que vous êtes un bon étudiant, vous trouvez ça, qui fout autant la trouille d'ailleurs. Donc là, regardez, vous la reconnaissez, la lettre grecque psi ? Donc ça, ça vous dit littéralement la forme des électrons. Et on peut catégoriser, et on voit que l'électron, il a le droit que à certaines formes, certains niveaux quantiques, certaines formes. Il n'a pas le droit à toutes les formes, et on peut cataloguer ces formes et les dessiner. Donc là, les designers étaient un peu désarçonnés, sauf Colline. Colline, qui travaille à HIR, à Strasbourg, elle n'était pas à l'ENSI. Elle s'est demandé si elle pouvait essayer de vous rendre ça tangible, palpable, mais sans perdre les mathématiques au passage, en vous montrant vraiment le lien entre la formule affreuse que vous venez de voir et la forme de la fonction d'onde. Donc c'est ce qu'elle a fait dans toute une série de vidéos, je vous en montre une. Donc elle prend la forme. Et cette forme, si on la trace mathématiquement, vous savez, c'est toujours un axe X et un axe Y en science. Elle a une forme comme ça. Et si vous voulez savoir la tête qu'elle a, vous prenez la forme que vous avez dessinée et il va falloir l'engendrer à deux dimensions. Donc pour faire ça, c'est super facile. Regardez, vous mettez une petite punaise au milieu, du papier calque, et vous dessinez à chaque fois que la fonction d'onde est importante. Et quand elle est moins importante, vous dessinez plus rien. Et vous faites tourner. À la fin, vous avez la forme de l'électron dans l'atome. Évidemment, il faudrait faire à trois dimensions, mais là, ça commence à être compliqué. Vous voyez que cet électron-là, par exemple, il n'est pas comme le premier. Il est plus souvent au milieu ou à l'extérieur. Celui-là, il est encore plus compliqué. Et donc, comme ça, vous allez engendrer toutes les formes possibles. Des fois, c'est des ronds, des fois, c'est même pas des ronds. C'est des espèces de machins bizarres. Et puis, vous les classez. Alors, les premières, vous les appelez S. Les suivants, vous les appelez P. Ils ont des noms. Les suivants, vous les appelez D. Donc, c'est toutes les formes des électrons possibles d'après l'équation de Schrödinger. Et après, si vous êtes Dieu et que vous voulez fabriquer l'univers, ben, c'est facile. Il faut fabriquer les atomes un par un. Donc vous mettez un noyau au milieu, et voilà votre premier électron. Ça, c'est un atome d'hydrogène. Après, vous enchaînez, deuxième électron, vous mettez le même deux fois. Et après, vous n'avez pas le droit de continuer comme ça, il faut changer de colonne. Il y a des principes quantiques qui vous disent que vous n'avez pas le droit de rester deux fois de suite, ou plus de deux fois de suite sur une colonne. Donc vous y allez, puis au bout d'un moment, il faut aller sur la colonne rouge. Là, voilà. Et on enchaîne. Alors, évidemment, c'est un peu challenge, on s'est dit qu'on allait faire toute la classification périodique, enfin colline. J'espère que vous admirez le travail. Et regardez bien le dernier atome, il est intéressant celui-là. Ça vous montre qu'il y a beaucoup d'électrons. Ce qui est intéressant avec cette animation, et je vous encourage à voir la suite de l'animation qui vous montre ensuite comment construire la matière, les liaisons chimiques, etc., c'est que ça vous montre que les électrons, ce n'est pas des trucs en couche d'oignon, vous savez, un électron, puis le suivant, puis le suivant. Ce n'est pas non plus des petites planètes qui tournent autour du noyau. L'électron, il est littéralement partout autour du noyau,
Et puis l'électron suivant, il est aussi partout au même endroit. Au même endroit, ils se superposent l'un à l'autre, ils s'interpénètrent. Et quand vous en avez 80, 90 ou 100 à la fin, ça fait beaucoup d'électrons au même endroit dans la petite boîte autour du noyau. Et c'est comme ça qu'est un atome. Donc vous voyez, en utilisant d'autres codes, en utilisant du papier calque, en utilisant ce genre de représentation, un petit cure-dent pour le noyau, elle essaie de vous faire sentir ce qu'est un noyau. Et derrière, elle a pu développer aussi des ateliers de médiation avec des enfants pour fabriquer eux-mêmes des atomes. Ah, Clément. Clément, ça l'intéressait beaucoup, la classification périodique, mais il n'avait pas envie de rester du tout dans le champ de la science. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la cuisine. Donc il s'est demandé comment la classification périodique pouvait lui servir à faire des nouvelles recettes. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, ben, c'est facile, chaque atome, je vais dire que c'est un objet de cuisine, par exemple, je sais pas, un macaron, ou une ganache, ou un bout de chocolat. Et puis après, il m'a demandé quelles étaient les règles. Alors il y a des règles, hein. On ne peut pas assembler n'importe quel atome avec n'importe quel autre. Ça, c'est les règles de la chimie ou la chimie quantique. Vous n'avez pas le choix. Par exemple, si un atome est juste un cran avant la dernière colonne, vous pouvez le mettre avec un atome qui, lui, est un cran après la première colonne. Parce qu'il y en a un qui donne l'électron, l'autre qui prend l'électron, etc. Donc moi, je lui ai expliqué les règles. Il avait mis au début ses atomes un peu partout avec ses cuisines. Et donc, il a respecté ces règles pour faire des assemblages et fabriquer des nouvelles recettes. Relativement improbables. Alors, il les appelait autrement, les atomes, mais c'est des atomes. Hein. Donc, à chaque fois, c'est des machins qui se mangent. Il les a placés, puis après, il a fait des liaisons chimiques. Alors, il n'en a pas mis 180. Hein. Et ça lui a fait une nouvelle sorte de macaron. Je ne me souviens plus du tout du goût du macaron, là. Là, ça lui a fait une espèce de gâteau où il fallait l'assembler avec trois autres atomes. C'était ça, les règles de la chimie, donc il l'a fait. Et alors, ce machin-là, je crois que c'était avec quatre autres atomes. Je crois que c'était du carbone avec de l'hydrogène. Il est arrivé à des pâtisseries. Alors là, on pourrait se dire, OK, il s'est fait plaisir avec des images virtuelles. Alors non, non, il les a fabriquées, puis on les a mangées. Donc là, c'était le jour de la dégustation. Donc ils sont passés à l'école de design pour faire un show un peu comme nous ce soir, où ils nous distribuaient tous, et bon, il faut dire qu'on était tous très, très méfiants, connaissant Clément en plus, mais bon, on a mangé, on a dégusté, et c'était surprenant. Parfois très bon, parfois moins bon. Ça, c'est François qui était le chef designer qui a mangé. Elena qui a mangé aussi, donc on a tous mangé des trucs plus ou moins gluants, plus ou moins durs, mais c'était nouveau. Là, c'était nouveau. Donc, il avait innové dans le champ de la cuisine en s'inspirant de la classification périodique. Il n'y a plus rien de scientifique dans cette histoire, et ce n'est pas grave. J'ai fini l'atome, j'enchaîne, hein, on est à un bon rythme, hein, là. Maintenant, on arrive dans les trucs vraiment étranges. Hein. Déjà, c'était étrange, mais alors là, on franchit encore un pas, et je vais vous parler maintenant de superposition d'état. Donc, souvenez-vous, on a dit qu'une particule quantique, elle avait des niveaux, elle sautait brutalement d'un niveau à l'autre, elle occupait toute une zone de l'espace, quand on la mesurait, chonf, elle se réduisait en un point. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la physique quantique vous autorise un truc en plus. Donc vous vous souvenez, vous êtes sur des paliers, ça, il n'y a pas de problème, mais vous avez le droit d'être sur deux paliers à la fois. On parle de superposition d'état. Ça veut dire que littéralement, l'électron ici est dans deux états d'énergie à la fois. Vous vous souvenez du danseur de Grégoire tout à l'heure, mais il faudrait qu'il y ait un danseur qui fasse deux trucs à la fois, littéralement. On parle parfois de chat de Schrödinger, vous savez, un chat à la fois mort et vivant. Ce paradoxe-là, qu'un objet peut être dans deux états à la fois. Alors attention, ça c'est vrai que pour la physique quantique à toute petite échelle, ça n'est pas vrai à très grande échelle, à l'échelle d'un chat en l'occurrence, ça n'est pas possible. Le chat de Schrödinger ne peut pas être à la fois mort et vivant. Et pourquoi ça? Alors ça aussi on l'a compris, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, la mesure et la réduction, et le fait soudain de choisir s'il est en haut ou en bas, ça a lieu dès qu'un objet interagit avec plein d'autres objets autour de lui. Dans le chat, il y a des milliards de milliards d'atomes, il fait chaud dans le chat, il y a de l'air autour du chat, il y a de la lumière, aucune chance qu'il reste dans une superposition d'état. Si vous voulez un chat de Schrödinger, en gros, il faut que ça soit une molécule ou un atome. Et donc les physiciens parlent de chat Schrödinger, mais dès qu'ils parlent de chat Schrödinger, nous on sait que c'est tout sauf un chat, et qu'en fait en général c'est une molécule ou un petit objet, mais un petit objet on sait le mettre dans deux états à la fois, littéralement. Alors ça, ça a beaucoup, beaucoup plu à beaucoup de designers qui se sont lâchés là-dessus. Bon, Paul bien sûr, hein, comme d'hab, vous connaissez Paul, lui c'est vraiment dépouillé. Ça c'est la quantification, on saute brutalement d'un état à l'autre, et je vous laisse découvrir la superposition d'état. Il vous faut deux mains. Voilà. Et puis Stéphanie et Alba, elles, ce qui les intéressait, c'était d'essayer de voir si dans notre quotidien, il n'y a pas des objets qui sont superposés dans deux états. Et la réponse, c'est non. Hein. Non, non, non. Parce qu'il y a des gens qui utilisent ça parfois pour argumenter sur des médecines parallèles ou autres. Non, on ne peut pas faire de la superposition d'états à notre échelle. Donc elles, ce qu'elles ont plutôt cherché, c'est quels objets lui faisaient penser à la superposition d'états. Donc elles se sont fait un catalogue d'objets, je vous en montre quelques-uns. Et à chaque fois, il faut que vous essayiez de voir si vous devinez où est la superposition d'états. Donc là, je pense que c'est liquide et solide. Transformer. Je vous laisse réfléchir à chaque fois, mais je vous vois complètement hagard. Je suis un peu inquiet. Je ne sais pas si sur Facebook, ils sont plus réceptifs.
Là, vous voyez, mais vous ne voyez pas. Là, vous mangez avec une cuillère et une fourchette, etc. Et puis, l'effet suivant, presque mon préféré, c'est l'effet tunnel. Encore une bizarrerie de la physique quantique. Voilà, vous avez face à vous un mur. Vous le voyez, il est là, le mur. Et vous, vous êtes une particule quantique. Qu'est-ce qui se passe si vous foncez sur le mur? Alors, regardez bien, je vous le fais en direct. Vous imaginez le mur, vous allez voir mes talents incroyables de mime. Je cours et pouf, je rebondis. Voilà. Donc ça, c'est exactement comme en physique classique. Sauf si le mur est fin. Imaginez que vous avez le même mur, mais maintenant, il est fin comme ça. Puis moi, je suis une particule quantique. Donc, souvenez-vous, j'occupe toute une zone de l'espace en probabilité. Je fonce sur le mur. Et là, on fait un petit instantané. Regardez bien ce qui se passe quand je suis tout près du mur. Quand je suis tout près du mur, il est possible qu'il y ait une partie de moi qui soit de l'autre côté du mur, vu que je suis sur tout un espace. Et donc, effectivement, il y a de bonnes chances que je rebondisse, mais il peut y avoir une petite partie de mon onde qui se barre de l'autre côté. C'est ce que vous voyez sur cette image de physicien pur et dur. Autrement dit, bon, bah, la plupart de mon corps va repartir là, mais peut-être qu'il y a ma main ou mon bras qui passe de l'autre côté. Alors, on peut se dire que c'est très inquiétant pour lui. Non, parce que quand vous allez me mesurer, soit vous me verrez ici, soit là-bas. Donc vous allez avoir 9 chances sur 10 de me voir ici, rebond classique. Une fois sur 10, vous allez me voir de l'autre côté. J'aurais traversé le mur comme si un tunnel s'était creusé dans le mur. Comme si je m'étais téléporté de l'autre côté du mur. Effet tunnel quantique. Là, j'espérais vraiment qu'il y ait un effet spécial un peu spectaculaire d'effet tunnel quantique avec les designers. Bon, Paul, comme d'hab, là, c'est pas passé. Vous avez vu, il mesure la particule à la fin. Et là, en la mesurant, elle est passée de l'autre côté. Et puis Natacha, dans son appartement, voilà ce que devient l'effet tunnel. Natacha aimait beaucoup les grilles pain. Une galère de voisinage, hein, l'effet tunnel quantique. Ne pas faire de crêpes avec l'effet tunnel quantique. Donc j'ai pas eu mes effets spéciaux. Dernière étape de mon discours quantique. Les effets collectifs. Jusqu'à présent, vous avez vu, j'ai toujours considéré une particule quantique. Elle arrive, elle tape, elle rebondit, elle est là dans son atome, etc. On peut s'amuser à voir ce qui se passe quand on en met plein ensemble. En général, chacune vit sa vie, et c'est juste qu'elles ne doivent pas avoir exactement les mêmes énergies pour certains types de particules. Bon. Parfois, plein de particules quantiques ensemble peuvent faire un nouvel état de la matière. Et alors voilà, s'il fallait que je le vulgarise, c'est l'hamiltonien de paire de Cooper effectif. Ça vous dit ce que font les électrons dans les métaux à très basse température. Et vous, évidemment, ça vous dit absolument rien. Et il faut attendre d'être vraiment en M2 de physique fondamentale pour comprendre ce machin-là. D'accord ? Donc c'est très sophistiqué. Donc, pour expliquer ce qui se cache derrière ça, on a travaillé avec une illustratrice, notamment Marine. Marine, avec elle, on a essayé de repenser comment utiliser les images, comment utiliser les dessins. Et pareil, on avait ce contexte spécial de petits comités, faites des sciences ou autres. Il y a 4-5 personnes face à moi. Je suis là, derrière un stand, j'aimerais leur raconter une histoire. Et parfois, le chercheur fait le truc dramatique, il sort le vidéoprojecteur et il leur fait un exposé. Il y a 4 personnes qui sont juste là, à 1 mètre de distance. Donc avec Marine, on s'est demandé comment on pourrait repenser ça pour le rendre plus intime, plus sympathique, plus chaleureux, et raconter des histoires, et raconter aussi l'histoire qui se cache derrière les découvertes. Et donc, on a développé des jeux de cartes, où à chaque fois, il y a une même séquence de questions. Qui, où, quand, quelles questions il s'est posé, qu'est-ce qu'il a trouvé, comment est l'article, comment est le prix Nobel, etc. Et qu'on a décliné sur plein de découvertes de physique quantique, dont la découverte qui se cache derrière les effets collectifs que je vais vous raconter maintenant. Alors évidemment, j'aimerais bien qu'on vienne tous là au coin du feu, je m'assieds et je vous raconte ça sur une table. Vous êtes trop nombreux, donc je vais le faire en trichant sur PowerPoint, mais croyez-moi, c'est bien mieux quand on le fait avec les vraies petites cartes à jouer en petit comité. Donc je vais utiliser les illustrations de Marine. On va imaginer qu'on est là, ensemble, au coin du feu, et que je vous raconte une petite histoire quantique le soir avant de s'endormir. Et l'histoire commence en 1911. 1911, la physique quantique est à peine née, mais on n'y comprend en gros rien. On n'a toujours pas bien compris ce qu'était un atome, ce qu'était un noyau, ce qu'était un électron. On en est au balbutiement. On est en Hollande, dans la petite ville de Leyde, petite ville universitaire charmante hollandaise, avec son université très prestigieuse, et dans l'université, un physicien très prestigieux, Kamerlingh Onnes. Voilà Kamerlingh.
Kamerling ne s'intéresse pas du tout à la physique quantique, et pour cause, hein, on ne sait toujours pas qu'il y a de la physique quantique, ou presque pas à cette époque-là. Lui s'intéresse au froid. Ce qui l'intéresse, c'est que devient la matière à basse température. Et pour être le meilleur du monde dans cette discipline, il a compris qu'il fallait refroidir les matériaux plus froids que n'importe qui d'autre sur Terre. Et pour faire ça, il n'y a qu'une manière. À l'époque, ils savaient tous que, pour refroidir la matière à la plus basse température possible, il fallait arriver à rendre l'hélium, c'est un gaz assez rare, liquide. Et c'était un problème technologique expérimental monstrueux d'arriver à rendre l'hélium liquide. Personne n'y arrivait. Mais on savait que le premier qui y arriverait, arriverait à avoir le liquide le plus froid sur Terre. Et c'est Kamerlingh-Onnes, dans son labo, qui en 1908 arrive à rendre l'hélium liquide. Vraiment un tour de force incroyable. Il utilise des pompes fabuleuses, une verrerie hyper sophistiquée. Il récupère des roches riches en hélium de Caroline du Sud par son frère espion. Enfin, toute une histoire. Et finalement, il arrive à faire deux petits verres d'hélium liquide. Et quand il le fait, il se rend compte que cet hélium liquide lui permet de descendre à presque 1 degré du zéro absolu, moins 272 degrés. On est 300 fois plus froid que dans cette pièce. On est 100 fois plus froid que partout sur Terre. D'accord ? On est plus froid que partout dans l'univers, à 1 degré du zéro absolu. Et donc, il sait que là, pendant quelques années, tant que personne d'autre y arrive, il est le seul au monde à pouvoir tester ce que devient la matière à cette température-là. Donc il essaye, hein, il plonge tout ce qu'il a sous la main dedans pour voir ce qui se passe, et c'est assez décevant. À chaque fois, les trucs juste gèlent, évidemment, hein, et tout se calme et s'arrête. Donc il teste plein de choses pendant des années, il teste même, à un moment donné, la radioactivité. C'est Marie Curie elle-même qui vient avec un bout de radium dans la poche pour lui dire qu'est-ce qui se passe. On le plonge dans le truc, ben, il ne se passe rien, ça reste radioactif. Bon, d'accord. Donc plein de publications qui s'enchaînent, intéressantes, mais bon, sans grande surprise. Et c'est normal, hein, une fois que vous avez refroidi la matière, si vous refroidissez encore plus, il ne va pas se passer grand-chose de nouveau. Mais Kamerlingh-Onnes, lui, il avait une devise, c'était « par l'expérience, la connaissance ». Donc il dit « il faut mesurer, hein, on ne sait jamais à l'avance ». Et le 8 avril 1911, ils font une mesure particulière. Ils prennent un bout de métal, à l'occurrence ils prennent du mercure pour des raisons techniques, mais vous pouvez faire ça avec de l'aluminium par exemple. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce bout de métal va mieux ou moins bien conduire le courant électrique si je le plonge dans ma marmite et que je le remets à très basse température, d'accord ? Donc ils essayent, ils mesurent. Alors la mesure, c'est une galère incroyable. Il faut imaginer les pompes qui vibrent à mort dans la pièce. Elles vibrent au point qu'un des physiciens de l'équipe, Gilles Holst, est envoyé dans la pièce d'à côté pour faire la mesure parce que l'aiguille vibre trop. Il n'y a pas d'ordinateur à l'époque. Hein. Donc le type est dans la pièce d'à côté, il crie à travers un pot à yaourt aux autres les résultats. Les autres écoutent. Il leur crie en même temps ce qu'il est en train de mesurer et les autres notent et font la courbe au fur et à mesure parce qu'il ne peut pas rester dans la pièce. Donc un très long fil, une très grande rallonge. Et il mesure ça. Choc dans le laboratoire. Alors, je ne sais pas si vous subissez un choc là, psychologique. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est une bonne courbe de physicien. Ici, il mesure la résistance de son bout de métal. Donc si c'est en haut, ça veut dire que ça résiste beaucoup. En bas, ça résiste peu. En haut, le courant passe mal. En bas, le courant passe bien. D'accord ? Et puis horizontalement, c'est les températures. Si vous allez par là, il fait de plus en plus froid. Et donc ce qu'il voit, regardez bien, c'est qu'au début, ça descend un petit peu. Et puis alors soudain, il y a une espèce de machin. Là, vous voyez les pointillés ? Ça s'écroule à zéro. Ça s'écroule à zéro, ça veut dire que soudain, là, à 4,2, à 4,2 degrés du zéro absolu, à moins 269 degrés, le matériau, le métal, se met à conduire parfaitement. Il est complètement subjugué par ça. Il faut comprendre pourquoi il est subjugué. Pour un physicien, c'est un truc impossible, ça. C'est impossible parce que ça veut dire que si vous prenez un anneau de ce matériau-là, un anneau d'aluminium ou d'étain ou de plomb, et que vous mettez du courant dedans et que vous le refroidissez, et que vraiment, il n'y a plus de résistance électrique, les électrons passent sans être plus freiné par rien du tout, ben ça veut dire que si vous enlevez la pile électrique, le courant y reste jusqu'à la fin des temps. Mouvement perpétuel. Et donc il essaye, hein, il prend un anneau d'étain, il essaye et ça marche. Ça marche, il revient des semaines après, il y a toujours du courant dedans. Et c'est une expérience qu'on a faite depuis sur des bobines énormes, avec énormément de courant, on enlève l'amenée de courant, on débranche, littéralement. On revient 20 ans après, le courant est toujours là, impeccablement maintenu. Il va appeler ça la supraconductivité. Ça porte bien son nom, il écrit un article qu'il publie. Donc dans l'article, il vous met tous les schémas si vous voulez le refabriquer vous-même. Et c'est compliqué. Et avec ça, on a pu faire plein d'applications depuis. Alors des applications où en fait, on a besoin de faire passer du courant sans que ça chauffe. Vous savez, quand on fait passer du courant, ça chauffe le fil. Hein. C'est ça qui fait marcher les grille-pains, par exemple. Ah là, non, là, ça ne chauffe pas. Donc ça permet, par exemple, de faire des bobines pour les IRM dans les hôpitaux. Dans l'hôpital, dans l'IRM, on vous fait rentrer dans un tuyau. En fait, c'est une bobine de fil supraconducteur dans laquelle on a mis plein de courant. Ça fait un champ magnétique qui permet de faire l'imagerie de votre corps ensuite. Ça sert aussi à faire flotter les trains au Japon avec des bobines du même genre à bord du train. Alors évidemment, on met l'hélium dans un thermos. Hein. Vous, on ne vous met pas dans l'hélium. Vous êtes là. Il y a la bobine ici. Et le train flotte, il ne touche plus les rails. Hein. Et donc, ça permet de faire les trains les plus rapides au monde. Hein. C'est un train qui va à 600 km/h, hein, le train au Japon.
Et puis ça permet aussi de faire des câbles électriques. Alors évidemment, c'est génial pour un câble électrique parce qu'il ne chauffe plus. Donc on peut mettre plus de courant dedans et il est plus petit. Alors le problème, c'est qu'il faut quand même le refroidir avec de l'azote ou de l'hélium liquide. D'accord ? Il aura pour ça un prix Nobel. Et donc vous voyez comment Marine m'a emmené dans un univers d'illustration qui n'a rien à voir avec mon univers à moi ou l'univers des laboratoires pour vous raconter une petite histoire d'une découverte quantique. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Il se trouve qu'il y a un autre effet qu'a pas montré Marine, qui est encore plus spectaculaire et qui est pour le coup presque complètement inutile. C'est l'effet du magnétisme. D'où vient la supraconductivité ? Je ne vous l'ai pas dit, ça, hein, vous avez remarqué ? À haute température, vous avez des électrons dans un métal. Donc, c'est des petites ondes quantiques. Okay, maintenant, on sait tous ce que sont des petites ondes quantiques. Vous les imaginez, les petits machins rouges de pôle en train de naviguer dans tous les sens. À basse température, soudain, à 4,2, toutes ces ondes quantiques arrivent à se mettre ensemble. Alors, pas toutes au même endroit, mais elles se superposent parfaitement les unes aux autres. Quand c'est en haut dans l'une, c'est en haut dans l'autre. Et elles se mettent toutes en phase comme ça pour former ensemble une vague quantique géante. Géante, hein, géante parce qu'il y a 1 milliard d'électrons qui contribuent à cette vague quantique. Donc au début, vous aviez des petites fonctions d'ondes, des petits machins rouges qui zigotaient chacun dans son coin. Et maintenant, soudain, vous avez une vague quantique géante. Et c'est ça qui fait que ça ne résiste plus à rien et que ça passe et que plus rien ne la freine. C'est ça qui fait le super courant. Mais il y a un autre effet. Si vous amenez un champ magnétique près de cette vague, elle déteste le champ magnétique, donc elle va se mettre à tourbillonner. Parce qu'en tourbillonnant, elle crée un champ dans l'autre sens qui repousse le premier. Donc elle fait une sorte de bouclier anti-magnétique pour repousser tout champ magnétique. Et ça, ça intéresse les designers parce que ça, ça correspond à cette expérience. Regardez bien, la galette noire, c'est le supraconducteur. Ah non, il faut que je la lance. Il y a plein de suspense. Hein. Pour l'instant, c'est une céramique complètement banale. Il faut la refroidir pour qu'elle devienne supraconductrice. Donc on met de l'azote liquide dessus à moins 200 degrés. Et on approche un champ magnétique. Donc on met un aimant. Un aimant, ça fait un champ magnétique. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a une vague quantique géante qui se met à tourbillonner et qui repousse l'aimant. Et donc ça fait léviter la matière. Mais c'est bien mieux que ça. Regardez ce qu'il fait maintenant. Ça, c'est pas de la lévitation. On tient à distance sans toucher. La vague est piégée en dessous de l'aimant et ne peut plus s'en aller. Si on laisse réchauffer, tout s'arrête. Donc on a des effets collectifs quantiques à très basse température, absolument spectaculaires, qui créent des objets quantiques géants qui eux-mêmes ont des propriétés hallucinantes. Il y a la même chose, par exemple, dans certains liquides, dans l'hélium. L'hélium peut devenir suprafluide et soudain se met à remonter le long des parois des verres, passe à travers le fond entre les atomes, enfin des choses très, très étranges. Ça, les designers, ils aiment. Là, ils m'ont dit, ah ben là, ça y est, enfin, tu nous as amené un truc qu'on peut se mettre sous les dents pour faire de l'objet. Et donc, ils se sont demandé comment ils allaient pouvoir utiliser cette lévitation. Donc, je me suis dit, ça y est, enfin, ils vont me refaire du design et puis me faire un joli aimant et un joli supra. Non, ils m'ont emmené ailleurs, comme d'hab. Ça, c'est Alexandre. Alexandre, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'humour et puis l'univers du cirque. Donc, il s'est demandé comment il pourrait faire un cirque supraconducteur. Donc, c'est une valise. Il arrive avec sa valise, il ouvre la valise devant les gens. Il y a le petit rideau intégré, cirque de marionnettes. Hein. Et voilà les animaux. Il les bourre d'azote liquide au début. C'est des animaux empaillés. Et ils se mettent à léviter, vous voyez ici sur la valise. Avec des formes improbables. Alors en plus, on peut mettre de la musique sur la lévitation. Et par induction, ça va faire des mouvements en rythme. Donc là, on a du French cancan quantique. Vous le voyez léviter en dessous ? Évidemment, comme dans tout cirque, il faut des numéros un peu spectaculaires qui foutent la trouille au public. Donc il y a plein de petites valisettes dans le cirque. Si on met un rail d'aimant et qu'on met le supraconducteur au-dessus, il va flotter au-dessus du rail d'aimant. Donc, voilà un petit diablotin supraconducteur plongé dans l'azote liquide. Là, je pense qu'il a planqué un aimant dans le gant. Avec des numéros très spectaculaires parfois. Etc. Et enfin, il y a des designers qui sont quand même pas contents dans l'histoire et qui disent, mais nous quand même, on est venus pour faire du design, est-ce qu'on pourrait pas faire du design ? D'accord ? Faire à un moment donné, j'en sais rien moi, une lampe, en gros. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est s'inspirer de la quantique pour faire du design. Et c'est les quelques projets que je vais vous montrer maintenant pour finir. Anne-Laure, par exemple, elle s'est dit, mais si les supraconducteurs, on n'avait pas besoin de les refroidir, on pourrait tout faire léviter chez nous. Qu'est-ce que ça pourrait créer comme nouveaux usages ? Ben voilà, si vous êtes dans un petit appartement, vous pouvez tout suspendre au plafond. Puis vous pouvez avoir un haut-parleur qui vous suit dans les pièces pendant que vous faites la cuisine ou que vous travaillez. Puis votre plat à four, ben, il ne vous crame plus parce qu'évidemment, vous ne le touchez plus. Hein. Vous avez des poignées supraconductrices. Puis évidemment, dans la table, vous avez aussi planqué des aimants, donc votre plat lévite. Puis Delphine, elle s'est dit, on pourrait faire des bijoux avec ça. On aurait des bijoux qui tiennent au corps sans le toucher.
voilà, vous mettez votre supraconducteur dans votre crème, vous vous badigeonnez. Dans le bijou, vous avez planqué un aimant. Et votre aimant, il reste à distance. Et vous pouvez réinventer la façon de porter les bijoux. Etc. Louise, elle avait envie de travailler sur la lunette. Donc elle s'est dit, qu'est-ce que ça serait des lunettes quantiques ? Donc elle a essayé d'inventer des tas de lunettes incroyables avec des miroirs qui rendent fou, qui rendent complètement fou. Donc ça, par exemple, bah vous voyez à chaque fois ce qui se passe de l'autre côté en superposition, c'est l'horreur. Celle-là, vous voyez ça, donc vous voyez tout flou et de temps en temps un truc net. Celle-là, alors là, on a vraiment de la réduction du paquet d'ondes insupportable. Celle-là, c'est les pires, je crois. Vous voyez ce qu'il y a en bas, en haut et l'inverse. Et celle-là, je crois que vous ne voyez plus rien, tout est flou partout. Donc évidemment, il n'y a rien de quantique dans l'histoire, mais c'est comment la quantique l'inspire pour créer des objets un peu innovants, un peu décalés, un peu bizarres. Thibault, lui, il s'est dit, mais j'aime bien cette idée de réduction du paquet d'ondes, c'est quand je mesure que ça réduit. Il s'est inspiré de ça, lui, pour inventer un système de lampadaire. Vous savez, il y a certaines lampes qui sont très mauvaises pour les yeux quand on les regarde directement. Par exemple, certaines lampes LED bleues. Donc il a juste inventé un système de détection infrarouge qui permet de détecter le regard. Il en a équipé un montage avec des LED. Donc il s'est inspiré de ce côté, quand j'interagis avec l'objet, ça le réduit, et lui c'est juste que ça s'éteint quand on le regarde. Et donc ça permet de faire une lampe. Qui s'éteint quand vous la regardez. Bon, ça rend fou les autres gens dans la pièce, mais c'est pas grave. Hein. Et enfin Émile, il nous avait dit, moi vous inquiétez pas, la physique quantique, j'ai bien compris. Tout mon projet, ça va être une méthode quantique en direct. Donc vous allez voir, je vais sauter brutalement d'un projet à l'autre pendant tout le trimestre, et tout sera flou, et de temps en temps ça se réduira et tout, ce qui nous a rendu fous. Hein. Il a fait 15 projets en parallèle. Alors là, il nous avait dit, vous avez vu, c'est des plats qui sont à la fois liquides et solides. Il avait juste travaillé sur la matière pour faire des plats siliconés assez étonnants. Là, il nous a dit que c'était des vêtements quantiques. Après, il s'est dit, ah non, finalement, je vais travailler sur des motifs pour des chambres d'enfants. Après, il s'est dit, ah non, finalement, je saute, je change. Donc toutes les deux semaines, il changeait de projet. Hein. Il a dit, je vais faire du papier peint. Et donc, il a produit toute une série de projets. Si je le regarde là, je vois absolument aucun rapport avec la physique quantique. Alors, je peux le chercher. Si, c'est les particules, c'est la quantification et tout. On s'en fiche. C'était un prétexte pour lui pour produire des nouveaux objets. Pour conclure, vous voyez qu'on est parti dans un jeu de dialogue où moi, je leur envoyais des concepts de physique et eux me renvoyaient des objets, parfois de représentation, de design ou autre. Puis, on s'est amusé à essayer d'observer un peu ce qu'étaient ces objets, puis comment les designers travaillaient. On a fait ça avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et il a paru plein de choses intéressantes. Par exemple, on s'est rendu compte que ce qu'ils aimaient bien faire, c'était nous décaler dans nos façons de représenter un objet scientifique. Ma fonction d'onde, c'est devenu un danseur, c'est devenu un objet plastique, c'est devenu du papier calque, c'est devenu une bouteille. Donc, ils décalaient nos codes de représentation. Et puis aussi, on s'est rendu compte qu'ils aimaient bien décaler notre façon de faire de la vulgarisation. Soudain, le public de la fête des sciences, je vais lui amener un spectacle de marionnettes improbable, où je vais lui proposer des pliages un peu différents. Donc nous décaler dans notre façon même de raconter la science au public. Et enfin, il y en avait qui partaient ailleurs et qui s'inspiraient de la physique quantique juste comme une source d'inspiration pour faire autre chose et revenir dans le champ du design. À la fin, il n'y a plus de vulgarisation et ce n'est pas grave. Si le projet de design en soi est intéressant, ça suffit à le justifier. Donc on était partis de là et puis... On s'est dit à la fin, c'est super, on a fait un truc interdisciplinaire. Ça, c'est très à la mode, l'interdisciplinarité. Et là, on a des designers qui sont en même temps physiciens et des physiciens qui sont en même temps designers. Alors, pas du tout. Moi, à la sortie de 5 ou 6 ans de collaboration, je ne sais rien faire en design, je ne connais rien au design et je ne suis pas meilleur qu'avant. Et eux ne sont pas meilleurs qu'avant en physique. C'est même pire que ça. À la fin, on leur a demandé, alors, qu'est-ce que vous avez compris de la physique quantique ? Et la réponse, en général, c'est qu'ils n'ont rien compris. Et ce qui avait très étonnant, c'est qu'ils le revendiquaient. Ils disaient, mais c'est pas grave, j'ai rien compris, mais je m'en accommode et je peux quand même travailler. Ce qui, pour un scientifique, est un drame absolu. Quoi. Moi, il faut que je comprenne pour aller à l'étape suivante. Et ce qu'on a compris nous-mêmes, c'est qu'en fait, ce qu'il y avait d'intéressant dans ce qu'on faisait avec eux, c'était pas du tout qu'on leur apprenait de la physique. Au début, j'étais dans cette illusion que j'allais leur enseigner la physique quantique et les recherches modernes et ça allait leur servir dans leur travail de designer. En fait, non. Je pense que ce qu'on a fait en pédagogie, c'est leur apprendre à se comporter face à un truc inconnu et incompréhensible. Et c'est quelque chose qui arrive souvent dans une vie professionnelle. Soudain, on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a jamais vu avant. Et nous, on leur a appris à se comporter face à ça, c'est-à-dire face aux physiciens. Et puis nous-mêmes, ça nous a complètement décalé dans notre façon de voir la vulgarisation, ça nous a complètement renouvelé notre univers de vulgarisation. Et tant et si bien que ça nous a tellement inspiré qu'on a décidé de faire une équipe autour de ça, une équipe qui s'appelle La Physique Autrement, qui existe maintenant depuis 5 ans, et où on mélange justement des physiciens, des designers, des artistes, des illustrateurs, et puis aussi des médiateurs, de musées de sciences, comme ici, de médiation, d'associations scientifiques, et puis aussi les profs de lycée, les profs à l'université,
pour essayer de trouver tous ensemble des nouvelles façons de présenter la physique et aussi de l'enseigner. Parce qu'au passage, ce dont on s'est rendu compte, moi, ce qui m'a le plus frappé dans tout ce que j'ai vécu, c'est comment bosse un designer dans son école de design. Pour moi, qui avais l'habitude, voilà, de moi par rapport à vous, dans un amphi ou dans un TD, soudain, ils travaillaient différemment. Donc, on a piqué toutes leurs idées pour réinventer des façons d'enseigner la physique, par exemple, réinventer les travaux pratiques en physique ou les workshops en physique. Et à la fin, quand même, un intérêt qu'il faut souligner dans toute cette histoire-là, c'est que, avant tout, c'est un plaisir de travailler avec ces gens-là. Ils sont hyper créatifs, hyper enthousiastes, hyper curieux, hyper ouverts. Et donc, ça permet aussi aux chercheurs de sortir à un moment donné de leur territoire, de leur bulle, de leur zone de confort, et pour découvrir d'autres esprits, d'autres gens qui leur renvoient d'autres choses. Et rien que pour ça, c'est un bonheur. Et donc, c'est l'occasion pour moi de tous les remercier. Je vous remercie pour votre attention. On va bientôt marcher. Merci beaucoup, Julien, pour cette intervention assez dynamique, assez stimulante. Alors, je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un a des questions ou des commentaires. J'imagine qu'il y a beaucoup de designers ce soir, je crois, et la manière dont vous avez parlé du design peut faire réagir, hein, puisque d'après ce que j'ai noté, on attend du design des effets spéciaux. Donc, est-ce que c'est ça le design aujourd'hui ? Donc, peut-être qu'il y a des commentaires, hein, pas forcément des questions ou des réactions dans la salle. Je vous laisse juste digérer deux secondes en regardant sur Facebook quelques commentaires que nous avons eus, où visiblement les bijoux Supra font rêver certains. Donc on nous demande où est-ce qu'on peut les acheter. J'imagine que c'est une bonne remarque. J'ai très régulièrement des mails de bijoutiers qui me disent « Ah non, mais j'ai vu vos bijoux, ça m'intéresse beaucoup, il faut qu'on pose un brevet. » Alors, c'est que du trucage là pour faut le coup, pose un brevet. Parce qu'il faudrait recouvrir la personne d'azote liquide. La question, c'est est-ce qu'on pourra les faire un jour ? Et ça, on ne peut pas répondre. C'est le principe même de la recherche fondamentale. On ne sait pas si on découvrira un jour des supraconducteurs à température de la pièce. On n'est pas sûr, on ne sait pas. Alors, une bonne raison pour laquelle on ne sait pas, c'est que de toute façon, on n'a même pas compris les anciens. On en a compris certains, mais la pastille noire que je vous ai montrée, on ne sait toujours pas pourquoi elle est supraconductrice, et c'est un des plus grands mystères de la physique moderne. Alors, j'imagine que c'est la même chose pour la téléportation, parce que l'effet tunnel a aussi fait rêver les gens sur est-ce que la téléportation un jour serait possible, puisque si on comprend bien à l'échelle quantique, justement, c'est possible. Alors là, la réponse est très claire, non. Non, et ça ne sera jamais possible. C'est très différent de la supraconductivité. Ça ne sera jamais possible, souvenez-vous, parce que je suis fait d'un milliard, de milliards, de milliards d'atomes, je suis chaud, mes atomes interagissent tous entre eux, donc il n'y a aucune chance que tout mon corps arrive à être dans deux états à la fois. Ça serait éventuellement possible si on me refroidissait très près du zéro absolu, dans l'ultra-vide, dans le noir. Mais de toute façon, là, je ne pourrais plus trop bouger. Oui, c'est clair. Une autre question aussi sur la recherche, justement, sur des collaborations entre des chercheurs et des designers, peut-être à l'étranger. Quelqu'un nous dit qu'à Milan, capitale du design, est-ce qu'il y a des collègues à vous qui travaillent aussi avec des designers, des scientifiques et des physiciens ? Non, pas à ma connaissance. Je connais un peu du côté de Milan. Il y a des choses qui se font originales du côté des musées de sciences. C'est vraiment une des grandes capitales du design. C'est une spécificité française de travailler sur sciences et design. C'est quelque chose que vous avez initié. Alors sur le côté sciences fondamentales comme c'est design, je crois qu'on est un peu les seuls parce qu'il faut vraiment être tordu pour aller proposer de la physique quantique à des designers. Donc, mais j'espère qu'il y a d'autres gens dans le monde, mais moi je les connais pas. Très bien. Et côté, vous avez parlé du décalage pas mal que ça apportait sur notamment la vulgarisation, la façon de parler de design et de science, surtout avec le public. Est-ce que, en termes de recherche, puisque vous êtes chercheur aussi, est-ce que ce décalage, c'est quelque chose qui vous a apporté aussi dans les programmes de recherche, en dehors de la vulgarisation, en dehors des collaborations avec les designers ? Est-ce que ça vous a nourri ou vous apporté un regard autre sur la recherche ? Pas du tout. C'est très décevant, j'adorerais, et c'était un des trucs des designers, c'est qu'ils espéraient qu'on allait changer nos pratiques de physiciens, qu'on allait changer la façon de faire la physique en s'inspirant du design, la façon de résoudre des équations. Moi personnellement pas du tout, mes collègues pas du tout à ma connaissance, on est dans un domaine où il y a quand même des règles assez strictes, des contraintes très fortes, donc je ne sais pas, donc moi pas du tout. Alors je connais certains collègues qui font venir des designers dans leur labo, qui travaillent avec eux, pour essayer de repenser certains dispositifs, certaines façons de faire, certaines expériences, mais on n'est peut-être pas nécessairement dans le champ de la physique quantique, peut-être plus dans le champ de la matière molle, des mousses, des bulles, des objets comme ça. Plus des sciences appliquées ou de la technologie ? Aussi, oui. Alors, est-ce que vous avez... Il y a un micro qui est disponible. Voilà, Françoise a un micro. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question, faire un commentaire ? Je ne vois pas... Ils sont tétanisés. Ah, voilà une qui se lève. Oui, vous venez de dire que la téléportation n'était pas possible, enfin d'après ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que vous pensez que des créatures venues de très loin
existe d'une part et éventuellement serait venu nous rendre visite. Et j'ai une autre question juste après, mais ça s'arrête là. D'accord. Donc sur la première question, est-ce qu'il y a des extraterrestres qui seraient venus éventuellement par téléportation quantique ou autre, il faut vraiment distinguer le champ des croyances du champ de la science. En tant que scientifique, ma réponse c'est j'ai pas de preuves, donc a priori j'ai pas de raison d'y croire, mais j'ai pas de raison de dire que c'est pas possible non plus. En argument scientifique, ce que je peux juste dire, c'est que d'après ce qu'on sait, nous, des effets de décohérence quantique, s'il y a des extraterrestres, s'ils étaient venus par téléportation, ils ont intérêt à être tout petits. D'accord ? Maintenant, du point de vue du champ de la science, il me faut à un moment donné une expérience à me mettre sous la dent pour tester un réel possible. Donc tant que vous ne me proposez pas un protocole pour tester s'il y a des extraterrestres autour de nous ou pas, je ne sais pas vous dire. Donc voilà, ça c'est la première réponse. Bon, la deuxième question, c'est bon, simplement vous disiez qu'il n'y a pas de preuves, etc. Mais donc si des extraterrestres venaient, ils seraient minuscules, hein, bon, à l'échelle de l'atome alors, quasiment. Hein, donc vous répondez à la fois oui et non, parce que d'un côté, des êtres normaux comme nous les concevons ne pourraient pas venir, et sinon ce seraient des êtres... Ouais, des disons, atomes pourraient se balader. Voilà. Ouais, je sens bien que de toute façon, c'est un terrain un peu glissant où je sens bien que j'y crois pas trop. D'accord. Dans donc, mon a priori. Alors, juste un exemple quand même d'expérience dans l'espace, si on se ramène à ce que je peux dire moi, parce que là, on est dans un champ que je maîtrise pas, mais on a réalisé des expériences avec des satellites récemment. Les Chinois ont réalisé des expériences absolument stupéfiantes où ils arrivent à envoyer deux particules quantiques à distance sur Terre, l'une à un bout de la Chine, l'autre à l'autre bout de la Chine, et qui interagissent à distance instantanément, avec de l'intrication quantique à distance sur des milliers de kilomètres. Donc on sait créer des objets dans l'espace à distance qui ont des propriétés quantiques partagées. Maintenant, de là à dire qu'on va avoir des extraterrestres qui vont utiliser ça, à nouveau, si vous imaginez les extraterrestres comme des petits bonhommes, machin vert et tout, non, là, la réponse est clairement non. Non, c'est une question, juste après je vois, juste une question, à savoir si, d'après vous, c'était possible ou pas, et vous avez répondu a priori que, voilà. J'ai pas d'expérience pour le tester, donc pour moi, je suis pas dans le champ de la science pour l'instant. On a une main qui s'est levée devant. Je suis là. Hop. Vous venez de parler d'intrication quantique à distance. Du coup, ça irait, l'information irait plus vite que la vitesse de la lumière ou comment ça se passe ? Non. Quand il y a intrication quantique à distance, ça ne viole pas la vitesse de la lumière parce qu'à un moment donné, pour savoir comment les particules sont intriquées, il faut appeler l'autre scientifique et comparer les résultats. Et ça va prendre plus de temps que la vitesse de la lumière. Donc on ne viole pas la théorie de la relativité d'Einstein. Alors là, vous m'emmenez carrément très très loin du design, hein, je m'en rends bien compte. Alors juste au passage, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a des projets fabuleux sur l'intrication quantique. Il y a notamment un film fait par une Québécoise qui vaut vraiment le détour d'amoureux quantiques. Donc il y a des amoureux intriqués, et à chaque fois qu'il y en a un qui subit un truc, l'autre le sent à distance. C'est très beau. Oui. Je me demandais si, parmi toutes les expériences de design qui avaient été faites, il y en a qui utilisaient des filtres polarisants, je m'attendais à plus d'utilisation de la lumière avec les fins de Young, je m'attendais à plus de lumière en fait. Ouais. Alors c'est une très bonne remarque. Sur ce projet-là qui était sur la physique quantique et sur la supraconductivité, non, parce que c'était pas dans le sujet. Par contre, l'année suivante, on a fait un projet sur la lumière, et là vous aurez à boire et à manger. Ça s'appelle Light Science Design. D'accord. Ouais, les initiales sont un peu malheureuses. C'était voulu, je crois. Un projet un peu psychédélique. Et où il y a notamment des utilisations de filtres polarisants, d'effets Kerr-Faraday, de trucs avec des scotch, etc., qui sont sublimes, et je vous renvoie. Et là, ils ont utilisé des LED, des lumières, et vraiment exploiter la lumière et détourner la lumière. Donc, allez voir Light Science Design, c'est vraiment très beau. On en a eu fait un ensuite sur l'invisible, comment mettre en scène les microscopes et l'invisible. Donc voilà, il y a à boire et à manger dans plein de projets. Super. Merci beaucoup, Julien. Je crois qu'on va s'arrêter là pour le live Facebook et puis on va passer à la visite rapide des expositions avant les discours d'inauguration. Merci encore pour cet exposé super passionnant. Et rendez-vous dans l'exposition dans un instant. Merci à tous. Bonne soirée.